à ta office des dieux, de tes fidèles serviteurs, qu'ils s'oublient et se conforment à ton jour. Tu as, Seigneur, donné à tous l'exemple de la fidélité. Tu me veux, ô Fils de Marie, douce et humble de cœur.
Le peuple a gardé du professeur une image qui n'était pas la sienne. Parce que moi, j'ai travaillé avec lui. Je le voyais dans un certain angle. Mais quand il m'arrivait de me retrouver au quartier, j'entendais souvent ce qu'on disait de lui. Et je savais que ces gens ne connaissent pas Mendoza. Oui. Et Jean ne le connaissait pas bien. Ça se termine par ce que j'ai décrit comme un manque de distanciation entre le grand artiste, c'est-à-dire l'élaborateur de scénarios, la personne qui suit les séquences musicales, etc., et la personne charismatique. Quand vous sombrez à un certain niveau de charismatique, vous devenez la proie de la humeur. Vous devenez la proie des prédateurs faciles. Mais l'art éternel, je veux dire, l'art élaboré dans les règles de l'art, cet art restera. Et dans l'histoire, les œuvres dramaturgiques qu'il a écrites, les feuilletons, vous avez vu que ça revient timidement, mais comme les produits artistiques entrent dans le cycle de la culture, en fait, c'est ce qui restera de Mendoza. Il ne restera pas tout ce que vous avez entendu sur les plates-bandes, les happy few, les rigoleurs, etc. Ça, c'est une génération éphémère. Il a inscrit son nom en lettres d'or dans le livre de l'art musical au Cameroun. Malé, 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 malé